c'est reparti pour un nouveau vlog et je vous emmène à Grenoble. Je suis à Grenoble. Moi, j'habite pas exactement Grenoble. Donc là, je suis à Grenoble et je vais sur le campus. J'arrive sur le campus de Grenoble pour tourner une vidéo back to school. Vous m'avez demandé. Je suis chargée comme un mulet, laisse tomber. Vous m'avez demandé des conseils pour réussir son année, pour réviser, pour s'organiser, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais tourner quelques tips à la BU. Comme je le disais, il n'y a personne dans la BU. Il y a une fille qui est rentrée en même temps que moi à l'ouverture des portes, mais je parle quand même doucement. Parce que c'est une BU quand même. Et donc je me suis installée là pour filmer le truc. J'ai une tête de rien à voir aujourd'hui. J'ai chaud aussi. Oh, ouais. Every day is payday. Swipe my card, then I do a name. You're talking to a lady. Voilà, je suis sortie de la BU, il est 11h15, j'y étais à 8h. Donc j'ai tourné mes trucs et après il y avait des gens qui arrivaient quand même, alors que lundi il y avait personne, comme si le lundi c'était jour fermé. J'ai une chaleur au corps, mais vous imaginez même pas, parce que la météo de l'iPhone, elle était pognée. C'est-à-dire qu'elle m'a dit pluie. Donc moi j'ai mis pantalon, gilet, et en fait il fait grand soleil. J'ai chaud comme pas permis. Et comme j'ai mon sac à dos, je peux pas enlever mon gilet facilement. Bref. Du coup, je vais me changer, je crois. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. Depuis tout à l'heure, il y a des trams qui passent. Moi, j'aime. Enfin, je voulais pas prendre le tram. Il y avait deux arrêts. Mais comme j'ai pas envie de payer. Et que j'ai pas envie de frauder parce que j'ai les pétoches comme ça de frauder. Allez le but là, j'ai faim moi. Du coup je me suis changée en rentrant parce qu'il faisait trop chaud, j'étais plus capable. Et j'ai fini de tourner, non j'ai pas du tout fini Safia, tu mens. J'ai tourné encore d'autres petits bouts de la vidéo, des conseils pour la rentrée. Pour la rentrée, pour l'année scolaire. Mais je vais pas avoir le temps de finir, je finirai demain ou vendredi. Parce que là, eh ben j'ai autre chose à faire. En fait, maintenant, il faut que je cherche. Et ça, je pense que des fois, vous en rendez pas compte. Mais pour les Get the Look, on cherche toujours les tenues les plus proches quoi, des personnages qu'on souhaite imiter. Et là, on commence une nouvelle série. Donc, Caro va la commencer fin septembre, je crois. Je sais plus. Et donc moi c'est début octobre, donc il faut déjà que je commence à chercher les vêtements maintenant parce qu'ils mettent très longtemps à être livrés, genre 3 semaines. Et ça met au moins 2 heures à trouver 2 tenues quoi. C'est vraiment hyper long parce qu'il n'y a pas forcément tous les produits de toute la tenue et alors il faut essayer de jongler ou c'est pas les bonnes couleurs ou c'est ça. Donc là je vais faire ça pour envoyer ma commande. Et la recevoir au plus tôt parce que j'aimerais bien quand même que cette vidéo elle soit tournée avant la Guadeloupe, ça serait bien. On va aller à la déchetterie first of all parce que tout ça là, c'est des cartons de genre quand les marques elles nous envoient des trucs ou quand Caro elle se fait commander des trucs et qu'elle me les laisse chez moi et que moi je commande des trucs et que bah voilà, donc du coup il y a plein de cartons, on va à la déchetterie et le problème, c'est que ça rentre pas dans le coffre. On a un pro...
On a un problème logistique là. Attends, on va les casser. Non mais on peut les mettre sur le siège arrière aussi, tu sais. Oui, c'est ça. On ferme la ceinture comme ça aussi. On lui met la ceinture, ouais. Ouais. Comme ça au moins on est sûr qu'on est en sécurité. Ouais, il n'y aura pas de problème. Et après on va au lac. Hein, ouais. Il fait tellement chaud. Ouais. Mais depuis ce matin, je dis qu'il fait trop chaud, donc bon. Moi, j'ai pas fini de travailler, j'avouerai que c'est la... je fais l'école buissonnière là. Mais on travaillera après. Ouais. Parce que quand même, il faut que je finisse mes trucs. Oh non, on parlait pas beaucoup. Safia, elle tient un truc de poulet. Je tiens un truc de poulet. Est-ce qu'on a le droit de tenir un sandwich au poulet quand on est végé? Je crois pas. Je pense que là, je suis plus végé. Terminé. Banni. Banni de la VG Confederation. La VG Confederation. Bon, on est arrivé au lac. Du coup, il y a un peu de monde, mais pas trop, ça va. Ils ont mis plein de jeux, t'as vu? Ils ont mis tout plein de jeux, mais ça a l'air chouette. Moi, j'aimerais bien y aller. Mais je sais même pas si je vais me baigner, ça se trouve, l'eau est trop froide. Allez, on y va! On va goûter l'eau. Ouais, elle est un petit peu froide quand même. Non, en fait, elle est bien. On s'habitue. Non, c'est là-bas les fonds rapides. Là, il y a les fonds rapides, ils ont dit. C'est comme s'il y avait un tapis roulant rapide et là, un tapis roulant pas rapide. On a dit. Un avis. Non, mais franchement, moi j'ai envie de faire plouf. Action. Action, réaction. Ah, ouais, là. Wouhou! Oh, si, elle est trop bonne, hein. Quand t'es végé et que tu vas dans l'eau, pleine de poissons, est-ce que ça annule ton végétalisme? Ah bah c'est comme le coup du sandwich, ça reste un dilemme. Ouais, je pense que... Ouais. Peut-être que là je suis plus végé parce que je vais dans l'ambiance. Non, ça marche pas. Dans l'ambiance des poissons. Je t'inflige la marche à pied, pieds nus. Ouais, j'aime bien. Ça va faire de la corne sous les pieds, hein. C'est grave. Bon, on va aller faire des courses parce que demain je dois tourner des vidéos, une vidéo. Healthy lunch. Dites sur le commentaire si vous savez si les hommes de Cro-Magnon ils avaient beaucoup de cannes sous les pieds ou pas. Et toi tu restes bloqué sur un truc et t'en reparles 20 ans après quand on a déjà oublié quoi. Voilà, dites-le dans les commentaires. Et en fait ils ont beaucoup de cannes sous les pieds ou pas, hein? On voudrait bien des photos d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. C'est dégueu. Ah ouais, bah oui. Des peintures. Parce qu'à l'époque, c'était la peinture. Ça fait, il n'y a pas de photos d'hommes de Cro-Magnon. Oui, mais des fois, tu sais, c'est des reproductions. Ah. Et donc, on va aller à Carrefour Market pour acheter tout ça. Et ben moi, j'ai bronzé, mais j'ai pas bronzé uniformément. Parce que le soleil, il était tordu. C'est une escalope milanaise. J'ai fait une escalope milanaise. Non mais j'ai bien fait l'escalope, sauf que dans mon entrejambe là, eh ben je suis pas bronzée. Et je suis plus bronzée sur la face à pile que sur la face... face. Je suis plus bronzée sur le côté pile que sur le côté face, c'est ça que je voulais dire. J'ai mal géré l'escalopage. Bon, je mange pas les deux mots. Les baby carottes de Caro. Caro, elle adore les baby carottes. Caro, on dit bien des baby carottes en français. T'as même des baby radis maintenant. On dit aussi des... Mais non, c'est des vrais radis. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman. Bring it glamour back. Keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael. Moi, je suis en train de chercher les prochains Get the Look. Donc, je disais... Donc, les tenues pour les prochains Get the Look de la nouvelle série. Et franchement, c'est chaud patate. Mais c'est toujours chaud patate. Parce qu'on trouve jamais les articles qui disent « Waouh, ça match trop !» Bah non, tu te galères. Mais bon, je vais trouver des trucs. Et on va copier les looks de ces jeunes demoiselles qu'on aime beaucoup. Ah oui, sûrement, oui. On dirait que j'ai pas de cheveux. Ils sont passés où mes cheveux?
sont sur ma tête, mais on dirait qu'ils sont pas là. Du coup, là, on descendait de la maison, d'un escalier. Mais je les ai jamais vus, ces jeunes filles, je sais pas. Non, non plus. C'était pas tes voisines? Bah si, ça doit être mes voisines, mais je les ai jamais croisées. Du coup, on a croisé des jeunes filles et elles se sont arrêtées genre « Ah, t'es Safia ?» Moi, je suis populaire dans mon immeuble. C'est trop drôle. Même ma mère, elle est en train de me dire qu'en rentrant, là, il y a des petites filles qui l'ont... des voisines qui l'ont interceptée, enfin, interpellée de loin, mais elle a pas trop capté, en demandant si c'était ma mère. Donc c'est marrant, je trouve. Bref, aussi j'avais envie de vous... C'est Caro qui m'a dit de rappeler. Donc en fait, à partir de maintenant, c'est 2 vlogs par semaine. Je sais même pas si on vous avait dit. Ah oui, c'est pas avancé de voiture. J'attendais de ma voiture de maman, mais on va pas prendre la voiture de maman. Ouais, donc on va faire 2 vlogs par semaine. Bonsoir. Donc moi je vais faire un vlog tous les mardis et Caro va faire un vlog tous les vendredis. Tous les vendredis? Ouais, c'est ça. Pas que je dise des bêtises. Et voilà, donc on va pas changer le rythme des vidéos sur... On va pas changer le rythme des vidéos sur la chaîne de beauté, mais on va augmenter une vidéo par semaine sur la chaîne de vlog pour que vous découvriez encore plus ce qu'on fait et qui nous sommes et ce qu'on aime et tout ça, et qu'on partage encore et encore et encore. Bon, là, on va où? Grenoble? Oui. Putain, on dirait vraiment que je suis chauve, hein. Bah, pas chauve, mais genre, j'ai 3 cheveux sur le caillou, quoi. J'ai une petite copine chauve. Hein. On a fait de la street food un peu. C'est des nouilles, du soja, je sais pas quoi, des cacahuètes. Ça a l'air très bon. Enfin, ça sent très bon que ça a l'air très bon.